Alors on avait 15 jours là avec Laurent, donc on a fait un petit road trip, donc deux lieux différents. Moi je vais vous expliquer un peu le premier qui était une gravière de montagne, et lui vous expliquera sur le Rhône après. Et donc on va vous expliquer nos approches et un peu les montages. Donc on est parti avec dans nos bagages surtout l'Extasy Monster Crab, alors en 16 et en 20 mm, en assez grande quantité. Donc la gravière de montagne, on a fait un amorçage de zone. Donc on est arrivé, on a trouvé les poissons assez rapidement en les voyant. Et donc du coup on a amorcé plusieurs kilos le matin et plusieurs kilos le soir. On a fait rentrer les poissons comme ça sur l'amorçage. Et on a réussi à pas mal dérouler. Alors on a au niveau des montages, tout simple, 13 gainés, petit aligneur, petit alpha en deux. Et une Monster Crab Extasy coupée à moitié, équilibrée avec une pop-up Monster Crab. Donc avec ce montage, on a fait quoi, une bonne trentaine de poissons. Et suite à ça, les poissons ont commencé à s'habituer, à moins dérouler. Du coup, après, on a fait une petite variante en mettant des DSK. Donc des DSK toujours Monster Crab, qui diffusent un peu plus sur le montage, juste échelle différemment. Et ça nous a permis de dérouler les poissons un peu plus méfiants. Donc, et avant de partir sur le Rhône, on en était à 45-46 poissons, avec 4 poissons de plus de 25 et pas mal de poissons au-dessus de 20, j'en ai eu 7 ou 8 en plus. Un magnifique cadeau sur ce petit lac de haute montagne. Première fois qu'on le visite et déjà un super gros poisson. Allez, un nouveau bébé qu'on vous présente. Cette fois-ci séduit par les Extasy Monster Crab. Gros amorçage de zone sur toute cette baie du lac. Et les poissons sont littéralement conquis par cet amorçage. Une petite DSK en échage et ça fait le job. Alors la session suit son cours. Après un joli poisson de Lolo, une autre 25 plus qui rejoint l'épuisette. Super content. Poisson de cette nuit sur l'amorçage de zone à la Extasy Monster Crab et une commune de l'espace là, qui nous a fait un énorme combat au cœur de la nuit. Un réel plaisir de poser derrière ces poissons. Allez, on va la remettre à l'eau.
avez dit, Julien. À la suite de notre bonne session dans cette petite gravière montagneuse, nous avons pris la route pour le Rhône, donc Lyon, sur une partie du Rhône canalisé, où le Rhône justement se jette dans une partie d'eau stagnante. Donc nous avons choisi d'essayer de pêcher un petit peu le Rhône canalisé et l'eau stagnante. On a directement vu que les poissons étaient en frénésie alimentaire, donc ils venaient tout juste de frayer il y a quelques jours, et ils étaient en pleine frénésie dans les herbiers. Donc on a commencé à trouver des taches dès la fin de la première nuit, donc qui donnaient des touches. Donc on est parti toujours avec la même gamme d'appât, donc l'Extasy Monster Crab. Pourquoi ? Parce que c'est une bille qui nous correspond. Moitié carnée, moitié épicée, beaucoup de farine de poisson, de farine épicée, avec cet arôme Monster Crab aussi qui relève le tout. Ce qui nous correspond. Et après, du coup, les montages, on les a un peu affinés plutôt sur avec des parties colorées, donc les pop-up orange, Monster Crab et jaune, pineapple. Donc qui était vraiment visuel pour les carpes. Elle est pensée nourriture. Donc là, c'était plutôt une pêche sur des tâches avec très peu d'appât, 2-3 poignées d'Extasy et notre petit échage dessus qui sortait du lot. Et comme ça, on a touché du poisson. On a commencé, on fait 10 départs par jour à peu près en 24 heures. Au début, c'était plutôt des petits poissons, une moyenne à 12-13. Et après, on est vite monté d'un cran la deuxième partie 48 heures. Où là, on a commencé à toucher plus du 19-18, des poissons un peu plus gros gabarit. Et le troisième 24 heures, donc au bout de 72 heures, c'est là qu'on a vraiment touché des gros poissons. On touche un poisson de 27,5, un poisson de 31. Dans la nuit, on fait 3 autres 20+. Donc malheureusement, une autre décroche aussi d'un joli poisson, on ne saura pas le poids, mais qui était largement au-dessus de 20. Et voilà. Donc Extasy Monster Crab sur des tâches qui nous a bien réussi là sur cette deuxième partie du road trip. Première de plus de 20 sur ce bief du Rhône. Une petite tâche à travers les herbiers fait que dérouler. 5 départs cet après-midi et une super récompense. Piqué à la Monster Crab Extasy avec une petite pop-up jaune pineapple. Allez, première commune du Rhône après les deux miroirs. En pleine journée. Il est presque 1h30, il fait plus de 30 degrés. Voilà, des taches dans les herbiers. Quelques Extasy Monster Crab. Et ça fait le job. Allez, on lui rend sa liberté. De fou là. Départ timide, en plein après-midi. Et là, on est proche des 30 kilos là. Toujours petite Extasy sur cette tache de sable. Et ça fait le job. Ouh, plus qu'heureux là sur ce bief de Rhône.